sacrée chute. Vous avez failli vous tuer. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un léger problème d'équilibre ou un gros problème d'inconscience? Ah, me dites pas. Inconscience, normal. Normal, c'est votre hôtel et ici c'est votre terrain de chasse. Mais vous savez, à force de chasser, chasser toujours au même endroit, bah on fait plus gaffe. Donc sol mouillé, du coup vol plané et glissade assurée. Les glissades, c'est 20% des accidents domestiques. Oula, c'est rigolo pour Serial Killer. Bon, en même temps, essayer de se relever sur un sol mouillé avec des jambes de 10 cm, au niveau du rattrapage, le choix était limité. C'était soit le lavabo, soit là où j'ai mis mon fer à lisser à chauffer. Et là, vous avez chauffé. Enfin, brûlé, plutôt. Et comme 18% des gens qui se brûlent, c'est à cause du stress ou de la panique. Et vous, vous êtes plus team stress ou team panique? Plus team brûlure? Oui, forcément. La différence entre un Serial Killer et un Serial Winner, un comportement conscient et réfléchi.